Bonjour la famille. Deux fois dans les Saintes Écritures, Dieu est en train de dire à Josué, vois, je te donne. La première fois, il dit à Josué, dans Josué chapitre 6, au verset 1er, il dit, vois, je te donne Jéricho. Et la deuxième fois, dans Josué 8, au verset 1er, il dit à Josué, vois, je te donne Haï. Que ce soit pour Jéricho comme pour Haï, Dieu a demandé à Josué de voir d'abord avant de prendre ces deux villes. Allez-y comprendre ici que selon Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, ce que tu n'as jamais vu, tu ne peux pas le posséder. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, un bon acquéreur doit d'abord être un bon visionnaire. Quand tu n'es pas un bon visionnaire, tu ne peux pas acquérir ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as pas vu. La deuxième chose, je vais dire à quelqu'un que aussi loin ta vision ira, aussi loin ta vie arrivera. Ça, il faut les retenir. Et la troisième chose à retenir, c'est que toutes tes visions t'apporteront ces provisions. Parce que lorsqu'une vision est en toi, cette vision apportera auprès de toi des provisions. Ça veut dire des moyens nécessaires pour atteindre cette vision. N'oubliez pas aussi la quatrième chose, c'est que lorsque on est visionnaire, la vision que tu as fera de toi les chefs ou les leaders de ta génération. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, vois grand et vois loin. Que Dieu te bénisse. Bonne journée.